La télévision. Oui, En février 2016, le spectacle Humour Mauricien célébrait ses 20 ans. 20 ans de rire, de sketch, de regard sur les Mauriciens et leur mode de vie. 20 ans à faire rire le public, à mettre en lumière des talents de plusieurs générations. Ramin Pounoussami, producteur d'événements culturels et l'initiateur de cette série de spectacles, Entracte, nous emmène dans les coulisses des 20 ans au MGI, à la rencontre de talents confirmés et de jeunes qui veulent faire de la scène un métier. D'abord, une pensée qui va les Mauriciens parient assez. Des autres même et pas rire assez les autres. Rier, il y a une qualité, une personnalité. Et il y a pour autant qu'il nous développe nos sens de l'humour, mais pour nous faire rire, en même temps, nous donne l'occasion d'un talent mauricien qui est capable, comme on nous dit, de faire comique, capable de créer un sketch, une imitation, une parodie à partir de l'actualité, inspirée de tout le travers de la société. Donc il nous donne ça l'occasion. Extraordinaire qui, 20 ans après, nous mène un spectacle d'humour 100% mauricien qui nous fait presque chaque année. Il est toujours attiré une grande audience. Je vous ai imité là-bas, vous me dites, on t'a dit. Il n'est pas capable d'imiter cela, jamais ça. Ah, on se l'a vraiment gagné. Il n'est pas capable d'imiter, comme il est capable. Il peut essayer, même pas ici. C'est ma Sam, c'est qu'il m'a pris dans son manuscrit. Il s'est fait un caricoque à la sauce papu. À la sauce papu. Caricoque à la sauce papu. Il dit où, moi, il trappe, il dit où, il prend ce coq, il vient là. Oui. Il rentre avec ce coq, il met ce coq là, là, la table là. Oui. Il commence à mariner ce coq. Il trappe ce coq, il frotte ce coq, frotte, mette ça, c'est ça que ça coq, frotte, masser, masser. Il est fini. Hein. Il ouvre pour madame, il met ça dans le four, madame, il fait amie. Oui. Fini, fermé, il dit où. Attendez, quelques minutes, ça coq là finit par rien, tirer ça comme ça, vous êtes. Comme je dis, c'est Sam, ça goûte coq là, on a dans la bouche. Nous, tout le monde, ça coq là. L'autre, l'autre ramasse, tout le monde. Tout le monde, tout le monde, ça coq là. Vous rappelez-vous, la première fois que je dis, on réalise qu'on a un don pour faire du monde rire? Oui, puis donc là, je suis allé, et puis comme je dis, un peu méchanceté, vous comprenez là. Mais quand on me sent, je dis, tout un petit content, on va faire des affaires. Même petite constance, je fais un bon humour, mais pas chaque avec Ramal Pachoko, je dis, lance humour dans le côté immédiat. Mais après, de changement, je fais une chose, une participation dans l'endroit même, dans mon village même, Flac. Je fais du monde rier, je fais bien, bien même. D'un coup, je me dis, c'est bon, vraiment, je fais une affaire humour. Je fais un coup, je me rends compte que vraiment, je fais une petite édition, je dis, pour présenter moi. Les mots, je fais un petit coup, 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 moi, mon camarade, il a marché sans manche, M. Samuel. Ça et Jean-François lui Albert Leventor tout ça mais ben comment qui voyez nous prendre une veine l'équipe nous monter nous faire un sketch là derrière puis ça mon continue mais ben camarade pas une partie à l'est comment ben camarade partie finir aller mais là moi mon coup toujours avec Rama mon coup toujours là et ça mais moi j'ai constance hein moi j'ai constance mais moi tu fais l'humour après moi tu continues avec l'humour il y a mon VOS là moi sorti en plein temps il y a mon vin pas plein temps comment mais moi une petite boutique Flac. Tu dis, on a quand on rigole à la boutique, mais dans la boutique, il y a beaucoup, tous les jours, il y a une idée. Tous les jours, il y a des affaires qui sont comiques dans la boutique. Pour un moment, tu as un petit bout qui vient à la boutique, là, des fois, là, avec moi. Il vient, il dit, moi, qui veut changer. Je dis, correct. Je dis, moi, tu ne fais pas trop mal, pas trop normal. Je dis, qu'est-ce qui arrive, toi? Il dit, moi, non, problème terrible. Je dis, quel problème? Il m'en a une nuit, ça, sans demander temps, là. Une nuit, mon inné coulé, une nuit. Je dis, non, tu n'es pas coulé. Je dis, non, une nuit, mon inné coulé. Je dis, non. Je dis, non, pas d'inné coulé, n'inné pas coulé. Si c'est là qui coulait là, dans les en place, là. Ou si je n'ai coulé, demain, j'ai pas coulé, il n'y a pas de problème, il y a des oreilles coulées, des coulées, mais ça y est, c'est assez. Hein. Bon, bon, c'est cool. Mais après, nous avons une chose créole. Tout ce que nous avons pu faire, vite, je ne dis pas pour toi, vous. Tout ce que nous avons pu faire, nous ne pouvons pas faire ça, nous. Nous avons fait ça avec nous. Mon conseil, je ne pas le taille CV. Il dit, pas le taille CV. Il n'y a pas le taille CV. Il est venu, mais il n'y a pas le taille CV. Il dit, il n'y a pas le taille CV. Il dit, il n'y a pas le taille CV. Non, il dit, il n'y a pas le taille CV. Il dit, il peut rasser les dents. Il y a une menace sur les dents. Elle m'a dit, il n'y a pas de docteur. Là-bas, docteur, il y a tout. Elle m'a dit, il n'y a pas de 10 ans. Là-bas, il y a 10 ans. Tout vous a fait les comptes, nous nous voulons en verre, vous comprenez là. Si vous avez fait l'humour, comme ça, vous avez fait de tous les jours, vous avez fait passer. Vous comprenez là. C'est bien content et que je vais nous aujourd'hui, je vais
des fois, moi, raconte tout. Je passe un peu ça, mais ça, je me dis, c'est carré, un peu, on voit là. Où tu l'as au tout début? Vous rappelez-vous le premier sketch que tu étais à l'époque là? Oui, je me rappelle. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une grande émotion. Parce qu'il m'a encore rappelé, je suis dans le théâtre pour lui. Tu es dans Sama Migan, tu es dans moi-même, tu es dans Youssouf Elahi avec les autres. Et grâce à l'agence immédiate, le premier spectacle m'a fait lancer. Et ça reste un grand souvenir, aujourd'hui 20 ans, le peut faire ça. Pour moi, je suis bien, bien content que ça peut faire. Alors, qui est capable de dire un peu l'évolution d'un artiste qui fait du monde rire, qui a un texte qui est plus marqué que ça 20 ans qui est passé là? Bon, c'est-à-dire que je trouve un zen qui peut venir, mais je trouve que l'évolution est venue dans le bon sens. Un spectacle du mot que l'agence média a organisé chaque année, il permet de découvrir un nouveau talent. Pour moi, si j'ai dit mot, c'est que moi j'étais dans le domaine spectacle, domaine du mot, ben c'est grâce à l'agence média à Rama pour nous amis quand mon démarré. Et moi pensais qu'avec ça l'événement là, qui tous les années prenant encore un nouveau talent qui peut venir. Comment vous trouvez ça, l'humour mauricien là? L'une saute depuis la politique, l'une vient dans le social, l'une vient dans le fait divers. Comment ça évolue? Bon, moi trouvé que tout nous monde, humoriste, prend quelque chose, quoi que moi-même, mon événement qui arrive de tous les jours. Mais pas trop capable de cause l'autre quelque chose. Avant, c'était plus difficile, mais plus aller, nous sommes capables de faire un lit. Mais quand même, encore, il y a beaucoup de sujets tabous parce que. Il y a beaucoup de points sensibles qui ne sont pas capables de toucher dans l'humour. Surtout loin de la scène. Capable d'être dans un petit groupe privé, oui. Mais loin de la scène, ce n'est pas possible. Qui est une thématique ou bien ou cause de la religion qui est une affaire qui n'est pas pour oser toucher? Pour moi, la religion. Comme une affaire communauté. Vous pensez la politique aussi n'est pas trop capable de toucher. Comment? Nous, il y a certaines choses qui peuvent dire, mais il y a certaines choses qui ne sont pas capables de dire. Vous pensez qu'un politicien peut avoir un sens de l'humour? Si, un politicien a un sens de l'humour. Mais parfois, il y a quelque chose qui ne peut pas dire qui dit. Ouais. Il n'arrive pas, comment dire, hésiter avant de lancer un joke? Oui, c'est-à-dire que moi, un joke, moi, écrit, il m'a préparé avant bien. Et il n'y a pas pour l'improvisation, mais c'est moi quand même, il y a un skeleton dans la scène, soit comme il y a une place par dessus. Qui veut dire, en général, en gros, je connais qui me peut dire. Est-ce qu'il y a une joke ou bien une plaisanterie ou bien un sketch qui, ces dernières années, comment dire, qui me plaît beaucoup? Carico à la sauce papy de Samamkan. Il est vraiment bien faux. Ouais. Qui fait? Ah ben, comment dire ça? Il y en a tout là-dedans. Il est comique et vraiment, il y a double sens. Il y a double sens et il fait du monde rire. Vraiment. Ouais. Parce que c'est un tabou. Non, pas de tabou, pas de tabou. Dad, Alain, Stéphane et Betty. Donc, équipe qui présente nous. Ou un vétéran dans ce spectacle-là, on connaît ça, comment ça évolue. Qui rigole dans les 20 ans qui sont passés là? 20 ans passent très très vite. Moi, je suis là à l'époque. Et juste pour dire que l'humour finit évoluer, bien sûr, ça finit évoluer dans la bonne direction. Et beaucoup de camarades humoristes qui ont commencé à l'époque, ben aujourd'hui, ils font ça dans notre métier. Donc, ça veut dire l'humour, le théâtre, il y a un potentiel à Maurice. Et le spectacle humour, il y a un tremplin. Il sert un tremplin pour pas mal de camarades humoristes. Et ça, bien sûr, et pour continuer. Et évolution, bien sûr, c'est tout le temps nous là, faire du monde déstresser, rire. Il est facile de faire le mauricien rire? Difficile. Mais c'est moi, pour faire le rire, c'est un travail plus difficile. Ça. Il y a beaucoup de discipline, il y a beaucoup d'observation. Parce que nous inspirons de la société mauricienne même, pour nous faire du monde rire. Donc, c'est la cause, c'est que le public du spectacle humour, il reste tout le temps fidèle pendant 20 ans. Là, parce que ça coûte quand je viens guetter le spectacle, je te retrouve, je te là-dedans. Parce que nous sommes un bon observateur de la société et nous touchons tout, hein, tout domaine, que ce soit médical, sportif, judiciaire, politique, que nous faisons plus beaucoup de succès.
Pourtant, l'INSEE et Moutia, c'est nous qui et dans les affaires, pas trop osé tousser, notamment en politique. Et dans les affaires, c'est un peu tabou, bon, la religion, la communauté, etc. Mais vous pouvez dire, difficile de faire Mauricien rire. Mais dans la boutique, nous avons des jokes. Donc, qui fait Mauricien, il n'est pas coincé en général. Non, je ne suis pas coincé. Mais comment vous pouvez dire, des fois, c'est qu'il nous camarades l'INSEE, il y a tout à fait raison. Parce qu'il y a quelque chose qui nous capable de dire, il y a quelque chose qui nous pas capable de dire, et nous avons connu continuité pour nous dire ça va quelque chose. C'est ça le plus important. Mais quand nous faisons un spectacle, moi, c'est un spectacle grand public, que tout Mauricien vient et toute tranche d'âge vient. Alors nous montrons un sketch par rapport au public qui est présent ce soir. Donc, alors ça, bien sûr, si nous pas jouer un public sélectif, un public très segmenté, alors bien sûr, nous avons un dialogue changé. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont vedettes grâce à ce banjo, qui après ont fait publicité, ont fait des courts-métrages ou films, etc. Qui plus les affaires qui s'en amènent nous, fait du monde rigueur là. Plus les affaires, c'est quand un du monde arrête nous le chemin, il dit nous bonjour, etc. Salut. Je me dis, qu'as-tu une photo en haut? Comment dire, je pense quand je trouve nous dans la télévision, je nous avons du monde inaccessible. Je nous avons une histoire de haut, il y a un bodyguard qui m'a sort nous. Et nous venons de ça là dans Maurice. Nous, malgré nous, à travers la publicité, à travers l'humour, à travers le théâtre, à travers le sitcom, à travers le court-métrage. Mais toujours pareil, hein, pas fin sans nous. Toujours on donne nous l'approche. Quand on arrête nous, on demande nous une photo, un autographe. Ben, ça fait nous plaisir parce que déjà nous connaît qui bande nous là, je peux guider sa bande affaire là, je peux suivre sa bande qui chose là, et je suis extra content quand je trouve nous mêmes et là ça qui est comique là dedans comment dire, et j'ai mes enfants extra contents et tout là, moi j'ai dit oh ou pas content ou et j'ai non moi ici qui sketch ou qui joke qui nous fait le plus rire ces dernières années, plus rire. C'est plus côté politique. C'est la classe politique qui inspire trois corps. Nous une vraie caricature. Une vraie caricature. Parce qu'avec une certaine époque, nous, tu peux penser, nous parlons pas de nous place humoriste, parce que tellement maintenant tu veux faire plus comique que nous. Nous disons, hey, nous reprenons nous ici. Alors, non, c'est la classe politique qui amène beaucoup, parce que à travers le monde, tout le grand humoriste, tout le monde vedette, je tout servi la politique comme meilleur moyen pour véhiculer un message. Parce que si nous parions de nous-mêmes, nous parions nous-mêmes de travers, nous-mêmes de défauts, ben, Sandy Moon, par exemple, nous peut faire une sketch au lit. Au contraire, il peut sentir valorisé. Parce que c'est à travers ça quelque chose qu'il est calme, Sandy Moon, pas tu vous connais. Grâce à travers nous, on est connu plus. Vous avez un reproche avec les politiciens? Non, du tout. Et nous bien content. Pourtant, nous pouvons dire, comment dire, nous pouvons mettre dans ce, nous pouvons présenter comme dans ce meilleur jour, mais il est extra content. Vous trouvez, c'est ça qui est intéressant. Dimoun là, il est content, il critique lui, et ça, peut-être à travers sa critique là, il a amélioré ça. Vous comprenez là? Alors, je suis venu, je gagne l'autre rigueur. Quand un Dimoun peut dire un kit seul, avec un humoriste dire un kit seul, il est différent. Aïla, coste gété, coste trappé, dès 15, 36, 40, dès 15, 36. Vous faites un rigueur naturellement, vous avez un talent, qui se fait là? Ben, nous, au fait, quand j'ai nous 55 ans, et non, pièce que nous avons fait, du monde pas rire, dit tout même, mais et non, rire. Mais du moment où maintenant, c'est du monde pas rire, mais nous ne pas ça de ça, nous, du moment où nous avons une expérience, nous la scène, nous pas payer, nous pas payer un travail. Mais il n'y a pas de problème pour nous. Du moment où nous pouvons monter, nous pouvons dévoiler nos talents. Même si nous pouvons faire un commentaire après, dire hey, qui tout nous fait là, c'est pas un grand nom. Mais nous pas un travail du monde. Nous ne pouvons pas dire du monde qui nous dit nous. C'est nous-mêmes qui nous disons nous. C'est d'après nous-mêmes qui pouvons nous erreur, d'après nous-mêmes qui nous pouvons nous la faute qui nous fait que nous pouvons faire. Du monde pas connu de banque, nous devons répétition, comment nous performons, comment nous pouvons faire. Mais. C'est d'accord. C'est voilà, nous avons envie de dévoiler nos talents. Et voilà, donc, personnellement, nous n'avons pas honte pour dévoiler qui nous est un talent pour l'humour, théâtre, etc. Donc, en gros, voilà, donc le groupe s'est commencé 2 ans de cela.
nous y participer dans le groupe Comico. Le groupe Comico organise un cours théâtre pour ben, étudiants, enfants, tout ça. Et c'est là que moi, Brandon, Andy, nous faisons connaissance. Nous faisons plusieurs sketchs, nous y participer notamment pour Comico Award. Nous y arrivons en finale et nous y arrivons en quatrième position. Et nous y aussi participons dans le Drama Festival organisé par le ministère des Arts et Culture. Malheureusement, nous pas nous qualifier pour finale, mais nous y gagnons des prix. Oui, nous comme moi. Ouais. Moi, Andy Ramsamy, au présent, moi. Moi, un comédien de 17 ans. L'humour, c'est toujours ma passion, faire du monde rire. Ça, c'est toujours un rêve. Moi, tout le monde, toujours faire loin de même chose, puis jouer loin de la scène. Vraiment, ça c'est toujours inspiré. Moi, mon inspiration, des artistes comme Saman Bigan, comme Alain Arensami, Betty Prosper, enfin, ben, pionnier dans mon domaine humour. Moi, je finis toujours inspiré des autres, et aujourd'hui, je réalise mon rêve. Bon, moi, mon fait carrière dans le domaine du théâtre aussi. Comme mon camarade Richard Bédier, nous lançons dans l'école du rire. Quand je suis joué pour mon premier spectacle, Drama Festival, quand je suis fait un franc succès, je suis remporté le Special Jury Award. Mais depuis ça, je suis fait un plus d'encouragement pour aller d'avant. Et là, aujourd'hui, je suis fait l'occasion de jouer pour le spectacle d'humour. Ben, lance-nous, quoi. Je suis fait pour le Comico Award, nous pas tirer ici, gagner le final, mais nous pas baisser les bras. Wow. Nous toujours motivés, ça, c'est comme à côté de moi, là, c'est à travers des qui peut performer dans 20 ans d'humour mauricien. C'est à travers nos talents. Si nous ne pouvons pas faire rien, nous juste venir nous battre, mais les partis pour contacter nous. Mais là, ils trouvaient qu'ils nous passionnaient pour ça. Et moi, je voulais dire que si je gagne un combien de métier après, c'est vraiment un plaisir pour moi parce que je suis bien content de faire ça parce que je suis passionné pour mon comico, tout mon théâtre qui fait de Maurice, tout ça. Mais moi, je voulais dire, prends un relève là demain, comme quoi, si nous sommes capables de faire ça, combien de métier. Pour réaliser son rêve, je suis rentrée dans ce monde et pour l'encourager, pour l'aider, ben moi quand je suis rentrée dedans, je me sens super super bien, je suis à l'aise avec la scène, je me suis développée pour ça, j'arrive à communiquer à l'école, je suis une femme changée, une fille changée, je peux dire ça comme ça, pour la scène et pour ses... Mais mon groupe. Comme si ça m'a aidé beaucoup à évoluer. Mais si vous pensez, pour une jalise, tu es content, on m'a dit, percer la dent, mais ce n'est pas évident non plus de gagner sa vie. Ce n'est pas évident normal parce que, par exemple, si on se rappelle ce qui s'est passé le 30 décembre, et là, au début du mois, il y a eu la marche pour les artistes, et en 30 décembre, il y a eu des artistes qui ont été tabassés pour lui. Et c'est pour cela que voilà, donc on veut considérer faire cela pour l'instant un passe-temps. Mais si jamais nous avons l'occasion de faire cela comme notre métier principal full-time, ouais, je pense que moi et mes potes, on y va à fond dessus. Oui, parce que vu que à Maurice, on peut dire que les artistes ne sont même pas reconnus. Ouais. On peut dire ça dans une façon, surtout les artistes comédiens. Ils n'y a pas leur vie, ils ne sont pas reconnus par les ministères. C'est pas reconnu même pour un métier. Oui, comme un métier. C'est pour ça qu'on le fait comme une passion. Et si on a la chance, la possibilité que les lois changent et qu'on soit reconnu comme des artistes, ben on ira vers cette voie parce que c'est vraiment... C'est quelque chose qu'on a besoin. Après le travail, tout le monde a besoin d'un moment pour se déstresser, pour rire, qui est vraiment très important. Comment on peut dire, au théâtre, c'est de pas juste venir faire rien, rire. Ni venir les cas, venir les exprimer façon, ni venir ni ou quand on a la peur de ou, mais du moment si on habitué qu'on devant la foule du monde, impossible pour gagner panique l'eau la scène. Il arrive à nous ici nous quand gagne panique l'eau la scène nous quand oublié, mais du moment on a une affaire qui appelle improvisation, si un artiste est dans la rue, impossible de gagner oublié quelque chose. Nous quand oublié une affaire, mais si on connaît ou texte ou quand facilement improviser. D'accord. Oui. Et surtout, pour terminer, j'aimerais dire quelque chose, c'est que à Maurice, malheureusement, le théâtre, c'est pas vraiment reconnu comme un métier. Je vous raconte une anecdote. J'étais élève au collège impérial de Cuyapi. Et quand il y avait le drama là-bas, tout le temps, je participais.
Un jour, j'ai eu un instant qui m'a vraiment marqué. J'ai eu un professeur qui m'a dit, pas souhaité ici avant, pas souhaité ici et ici ou à d'un travail. Après, ou à guetter avant d'affaire drama théâtre. Mais je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai mon SI, j'ai mon HSI et je suis actuellement étudiant à l'université. J'ai toujours pas de travail. Donc, juste pour vous faire savoir que j'ai beau avoir passé, j'ai pas eu de travail. Par contre, je participe à une simple audition de théâtre. Et regardez, moi et mes amis, nous sommes arrivés dans le groupe du IMEDA. Et on est en train de jouer. Donc, juste pour vous dire comment le théâtre, ça peut aussi créer de l'emploi. Ça peut aussi être une thérapie pour des familles, pour des enfants. Ça peut ouvrir plusieurs portes pour plusieurs personnes. You have a city, you don't have the right officially to talk to me because you're just playing a role play. So it doesn't matter. Scarcy, qui fait qu'il m'a existé, je ne sais pas quoi, l'école, qui fait son envie, comment dire, l'enjeu dans l'aventure de l'humour. Non, mais au fait, comment dire, il y a un groupe que il y a Cassandra, Christophe, Sadia et Kelly. Moi, me remplace, ça veut dire Cassandra avec Sadia. Donc, moi, je viens après. Cascassé, Livine, Cassandra, Sadia, Kelly et Christophe. KS, donc Cascassé. Et au début, nous étions un grand groupe, mais finalement, nous nous cascassé. Et voilà, nous retournons justement à sa quantité qui nous était là. Alors, qui vous êtes écrire un sketch et finalement atterrir au MGI pour le spectacle? Bah, on a commencé, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas qu'on Christophe, mais nous commençons en forme 3, après en forme 5, nous avons l'ICAC, une compétition. Après le WE, on a fait National Drama Festival et c'est là que nous rencontrons Christophe. Pour la suite, nous trouvons une notique dans le journal pour les auditions des médias. Et au final, nous décidons pour participer un coup comme ça. Quel genre de spectacle vous avez présenté, qu'ils ont monté, comment, qui faisait une rentre dans l'humour? Nous sommes contents quand nous faisons National Drama Festival. Et c'est un peu plus nous, moi, déjà. Nous avons un sketch, théâtre, tout ça. Ce sera parce que vu qu'ils nous comptent rien du monde, nous avons un dialogue beaucoup. Ce n'est pas une question qu'ils nous comptent rien du monde, c'est juste que nous n'avons pas... Oui, il est stressant, la vie est stressante, mais pour nous, le rire, c'est nous pas rien, nous, par contre, ça, c'est un de nos groupes camarades. C'est vraiment, c'est nous l'emblème, ça veut dire. Ouais. Et c'est du côté rire du monde, les autres là pour faire du monde rire. Mais c'est plutôt qui. Quand du monde peut passer, nous vous avez des affaires là. C'est pas qu'il nous peut juger du monde, nous peut dire méchamment. Mais c'est juste qu'il nous contente qu'il y ait un petit détail. Un petit détail là, et ça, il vient, hé, t'es guette ça, là, tout le monde peut rire. Dis comme ça. Mais ça ne suffit pas pour monter un sketch qui travaille, etc. Nous inspirons, c'est ça. Il y a un sketch qui nous monte. Et nous avons dans la vie réelle, comme ça. Nous inspirons de la réalité. Nous, chacune de nos pièces fait, en fait, la plupart, c'est un message que nous avons envie de transmettre. Nous avons envie, au fait, montrer la réalité. Tout ce qui passait autour de nous, c'est ça, au fait, qu'ils ont envie de montrer. Et même d'après nos sketchs, c'est un peu ça. Et qui bande d'affaires, vous avez 17, 18 ans, qui bande d'affaires qui fait vous rire, qui peut trouver comme ça, qui bande d'affaires qui peut passer, qui ont une pensée capable d'amener la scène et qui fait des gens prend plaisir là-dedans? Ça dépend. Pour nos sketchs, c'est plutôt. Bon, quand je dis Kisana, une espionne, mais c'est une personne, un homme qui nous connaît, qui nous côtoie dans l'enceinte de l'école même. Et moi, mon one man show, je me présente un one man show. C'est ce qui me passe, c'est que je me dis, je suis à l'école, je suis allée, sauf même là, puis comment c'est ton business, comment Marie Lobiste, elle me passe sur moi, allez. C'est une affaire qui arrive dans la vie de tous les jours, mais je ne peux pas réaliser. Et donc, là, nous serons ni comiques en même temps, mais c'est partager nos passions avec le public. Mais est-ce que vous pensez faire ça comme un métier éventuellement ou bien c'est badiner? Pour le moment, nous pouvons badiner. C'est une passion plutôt qui nous conseille dans l'avenir, mais me penser qu'il y en a qui peuvent envie de faire comme un métier. Ouais, mais ouais. Pour nous, personnellement, c'est une passion. Mm-hmm. Je trouve que l'école en général, les enfants, les étudiants, les collégiens, ils travaillent, pour le composer, etc. Les parents trouvent ça normal qu'ils puissent rire du monde, qu'ils puissent faire du monde rire. Enfin, ça dépend. Moi, enfin, je ne connais pas plus d'autres, mais moi, mes parents soutiennent moi vraiment. Mon maman, même mon papa, répétition, après l'école, les sons, répétition, quand on rentre la case,
puis te soutenir moi. Mais en même temps, c'est nous pas des destinées d'études parce que il y a pas autant, il y a vraiment pas autant. Je sais comprendre nous et je te connais, c'est ça qui nous contente. Donc, je ne pas empêcher. Bien sûr, je impose ma limite parce que c'est vrai, nous, encore, ben, étudiants qui nous besoin apprendre tout ça là. Mais quand même, je donne une certaine liberté pour nous rester capables de prier pour nous, capables de faire ce qui nous contente. Comme dit Charlie Chaplin, un jour sans rire et un jour perdu. Qui c'est ça là qui a trop envie de dire Charlie Chaplin là-dedans? Ah, mais oui. Qu'est-ce que t'as pas? As-tu une caméra? Caméra là, réveille-toi. Hé, tout de suite. Hé, hey, mon gars, encore avion passé au drapé où? Oh, Dieu, il passe. Non. Et Marie, tu joues ça, ta. Et vous êtes monnaie comme ça pour jouer là. Et t'as dit, caméra. Souris, excusez-moi, parce qu'ils amènent tout caméra de sous la vie. Waouh. Ça aussi? Je vois ton but, tu vois ça, tu vois? C'est bien, bien.